Jelem, du coup, voilà, on est allé louer un petit bateau. On vient d'arriver ici pour aller pécho le petit bateau avec capitaine cosplay Tintin officiel. On va être michto là-dedans, mon pote. T'es un peu pédé quand même, non? En fait, j'ai pas trop confiance au pilote. Oh. On vient de déposer le Mickey, le mec qui nous a filé le bateau là. C'était un peu un petit nazi, il nous regarde encore là. Et puis c'est bien, là on va aller faire un petit tour avec les Michel devant là. Pas maintenant parce qu'il nous a l'air de prendre sur notre bateau. Non mais tu sais qu'on perd une heure avec ces conneries. Ah, non, mais pour c'est FDP, en plus, là. On perd une heure, le mec il nous fait chier à aller faire le plein. Enfin, c'est la première fois que j'ai jamais vu ça au monde. De ouf. Récupère le coco. Allez. Vite avant qu'elle prenne l'eau, gros. Sorte biceps. Non, c'est bon, on l'a, pas la prendre, gros. Wow. Oh, oh. Hey, j'en ai une belle. Un cimier, elle est propre. Elle s'est nettoyée. Arrête. Il a dit qu'il va avoir du sel pour 6 mois. Oh. Arrêtez les mecs, les gamins là. Cimier. On fait une prank? On fait une prank? T'es sérieux? Bah alors, les petits batteurs là, qui regardent la vidéo, on est pas trop deg? Regardez ce qui se passe là. Bon, il y a un mec un peu bizarre à ma gauche, mais les petits panneurs comme ça, regardez des îles partout autour. On est pas bien là, t'inquiète pas. Bon, je vais voir toute l'eau d'air, bâtard. Là, ça tue, là. L'eau, elle est belle, hein. Non. On va essayer de se garer là-dedans. De l'arrière, là-bas. Non, on sait pas si c'est privatisé ou pas. Ou s'il faut payer, on va voir. Là, tu pourrais pas, là, ouais. Je pense pas. Attends, on balance les bouées, déjà, les gars, là. Mais ouais, vous pouvez mettre les trucs de côté. J'ai peur qu'on n'ait pas le droit de se refaire, en fait. Ah mais c'est bien, on va aller bouffer un petit bout ici les mecs. Let's go. On se voit sur les îles Maurice tout ça là, regarde ça Kevin. C'est sublime. T'as gueule. Hello. Ouais. I'm from Belgium. From Belgium. It's good. Really good, thank you. Voilà, on a bien bouffé. On est ici présent avec Nanar Biceps, Nanar BE, alias La Rousseau. Et là, on va reprendre le bateau pour aller se baigner dans une petite crique sauvage de gay. Hein, oui. Donc on va se taper. Se taper dans se baigner. Fuck vas-y, 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 écoutez, vous vas-y, encore un peu. On a trouvé une petite plage privée, Michto. L'eau, elle est bleue turquoise avec des poissons. Oh, oh. Il monte sa kin, Kevin. Laisse-la encore un peu de goutte. Elle est entrée là. Ouais. C'est good, ma couille. Ouais. Ouais. Du coup, c'est noir là. Parce que c'est la profondeur. Direct, ça casse là. Ah ouais? Ah ouais. Oh, oui. On est pas mal là. Bon, ben voilà. La vie de rêve. La vie de rêve. Un bateau en Croatie avec une crique semi-sauvage avec des gens locaux qui connaissent. Non, locaux, mon prix, il y a trois grosses. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Sur la plage, il y a trois grosses. Comment t'es tout rouge comme les crevisses, tu vas te Oh ben voilà, je l'aime, c'est super,
on s'est baigné dans une crique sauvage avec un bateau comme si on était des riches mais on est pauvres. T'as vu les coups? Regarde, regarde, ça c'est le village où on dort du coup. Vous voyez là-bas les termiquets. Kevin! Kevin! Viens ici! Ça fait rire ça! Bon, ben voilà, session bateau finish. On a déposé ça à Kevin qui est en train de vérifier. Et puis voilà. Ah, regardez bien, qu'est-ce que c'est, un petit barbecue en Croatie, le mec! Vous êtes sérieux là? Vous inquiétez même pas, on s'occupe de tout. What the fuck, my friend? Ouais, il va falloir bouteille d'eau, ouais, vite, vite. Quoi. Où c'est vous? Voilà, là. Voilà. Là, je te reconnais comme ça, là. Voilà, on s'arrache, les mecs. Il nous reste une journée. On va essayer de prendre un bateau, mais c'est pas sûr qu'il y soit. Allez, salut. Vas-y, ouais, c'est cool. Au pire, l'oseille là-bas, Eric, on s'arrange, t'inquiète, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Si, ok, c'est cool, okay. Let's go. Okay. Bon, ben voilà les Mickey, on prend un petit taxi pour aller très exactement à Vela Luka parce qu'il n'y a pas de bateau pour aller très exactement à Split. Du coup, on est obligé de faire 50 km sur l'île, on traverse et puis on va prendre un petit bateau. Et puis c'est bien, allez, salut. De Split, Italie. Ok. Italie, English. And Zagreb. Zagreb, speak English and German. Yeah. Do you know the Rukmut? Huh? The Rukmut. The Rukmut. It's color hair of my friend. Rukmut. No. Du coup là voilà, on est avec le chauffeur, ancien keuf, chauffeur de taxi qui nous a mis du coup Vela Luka. C'est la ville où on a atterri la première fois en bateau là, on s'est fait redropper avec la voiture. Et là en fait on revient vite fait ici en taxi, on a payé 400 kunas, ce qui vaut 50 euros pour traverser toute l'île, 50 km. Pour aller prendre le bateau, on est trois à prendre le bateau, il y en a trois qui vont prendre le bateau avec le véhicule. Mais après ils ont 2-3 heures de voiture, du coup on s'est split en deux. Pour aller à Split justement, et voilà, c'est cool. Là, il y a des gens kékés là. Ils sont beaux comme des camions. Et puis, on va prendre le bateau que vous voyez là-bas, le gros là. Et puis on se casse à Split. Il y a n'importe 3 heures de traversée. Je suis en train de vlogger comme un PD dans la rue. T'inquiète même pas. Tu dis gros, tu montres pas toi. Школа колбасы. Après 3 heures de traversée en bateau, nous voilà arrivés à la ville de Split. Nous venons de rentrer très exactement dans le quartier touristique où il y a de la schneck, où il y a des gens à droite à gauche. Et puis là, on va changer de l'argent pour essayer de sortir ce soir et boire un coup. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ouais. Ok. Et là, il y a la Rousseau qui nous retire des sous pour très exactement nous payer à nous tous l'hôtel, puisqu'on n'a toujours pas d'hôtel. Il est 17h30, merci. C'est pas mal quand même, là. Il y a deux jbeb, là. Oh. Ça, j'aime pas. Paf. C'est vraiment mignon, ces petites rues dans Split, Kevin. Ah ouais? Moi qui pensais que c'était la capitale ici. Ah non. C'est quoi cette ville? Zagreb. Il y a mon père à gauche là. Et puis il y a mes deux oncles qui sont en train de discuter là. C'est la famille quoi.
ressemble beau ou est-ce qu'il me ressemble un peu? C'est lourd. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors, les Mickey, la vue de l'appartement. Are you ready, man? Que c'est volé là. Oh, t'es mal à vue. What the fuck, man? Truc de ouf. Cette petite ville, elle est michto. Je sais même pas si vous allez me voir. Kevin! Certec. Croatie pour le moment, la vérité, c'est notre dernière soirée, dernier jour. C'est vraiment nice, quoi. Trouver chou. Réveil difficile, on est rentré à 6h du mat complètement foncé. Regardez la petite vue de bon matin. Kevin, Kevin, bon ben voilà, messieurs dames, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé quand même la petite vidéo. Je vous ai épargné la fin, c'est-à-dire la galère à l'aéroport, parce qu'il y en avait un qui n'avait pas sa carte d'identité, c'était la merde. Et là, il a encore fait une heure à l'aéroport à Bruxelles. C'est Scorp. Embarqué par les keufs. Il est en galère, il faut qu'il prouve comme quoi il est pédé, il est français. Et du coup, ça prend du temps. Enfin bref, je vous ai épargné l'avion et tout ça. J'espère quand même que la petite vidéo Croatie vous aura fait plaisir. Portez-vous bien. Un petit mot, White. Ben. Oh. Ah, c'était bien ça. Et tu filmes ma voiture là, t'es sérieux là? Ce serait un beau finish. Ah ouais. Je ferai un petit accéléré.